Eh bien bonjour tout le monde et bienvenue pour une vidéo sur Pickle Magical 3. Bon, alors, il s'est passé pas mal de choses entre-temps. Déjà, j'avais fait un record hier à l'heure du tournage et la vidéo m'a pas trop plu, donc du coup je l'ai délète, mais j'ai quand même avancé pour quelques quêtes. À noter également que en fait j'ai voulu mettre à jour le pack pour certains crafts, pas forcément tout, mais certains crafts. Et du coup, ça change complètement la donne du jeu. Limite, ça serait de refaire tout le mode pack à zéro. Oh, c'est trop mignon ça. J'aime bien. Tout mignon. Ça serait de refaire tout le pack à zéro. Il est hors de question que je refasse tout à zéro. Ça me pèterait un peu le fion. Donc du coup, je le fais pas. J'ai regardé concernant l'assio, l'assio essence, tous ces essences-là en fait, ils sont craftables dans la nouvelle version, mais pas dans la version que j'ai actuellement. Donc j'ai 4-5 versions avant la dernière mise à jour, donc du coup forcément, il y a pas mal de choses qui ont été corrigées et pas d'autres. Bon, enfin bref. J'ai remarqué aussi que pour faire en fait du Project E, tout simplement il fallait passer par Blood Magic pour les obtenir dans la nouvelle mise à jour et pas dans celle que j'ai actuellement. Donc voilà, ça change encore plus la donne vraiment de faire tout ça. Donc du coup, j'ai quand même voulu essayer de mettre à jour un mode, ça n'a pas du tout marché, dommage. Oh pardon, j'ai eu un énorme bâillement. D'habitude ça dure 2 secondes, mais là ça a duré plus de 10 secondes. Donc voilà. Du coup, je resterai quand même sur cette version. J'éditerai du coup des quêtes qui sont craftables dans d'autres. Puisque en fait, tout simplement, ces assio-essences là, en fait, c'est tout simplement, à part la Blood. La Blood, il faut un tier 8, un tier 4 de Blood Magique. Mais il faut les passer en fait dans la mana. Tout simplement, c'est comme je pensais en fait, c'est tout simplement de la mana avec un degré différent. J'en ai marre de bâiller. Du coup, alors par rapport à l'épisode d'avant, j'étais nombreux à me dire justement pour les crafts il fallait les mettre à jour, etc. Du coup, je le mets pas à jour et peut-être dommage d'un côté, mais en même temps plus simple d'un autre côté. Donc du coup, je reste comme ça. Concernant Project E, alors Project E, j'ai avancé pas mal. Faut dire ce qui est, j'ai beaucoup avancé. Puisque, j'ai mis des items prime, j'ai mis la node dessus, j'ai mis le pulvériseur et tout le surplus en fait se transforme en redstone. Cette redstone-là, bien sûr, est envoyée ensuite dans la dynamo qui fait en sorte que elle lit toujours de l'énergie à bouffer. Jusque-là, tout va bien. Ensuite, j'ai rajouté des chests. Pourquoi j'ai rajouté des chests? J'ai rajouté un chest surtout pour avoir des énergies condenseurs si je n'en ai plus. Parce que le craft, en fait, le craft simple, il est comme ça. Le craft avancé, c'est beaucoup de pierres, de blood magique, de dark matter, etc. Donc, du coup, c'est plus cher dans la nouvelle mise à jour. Pourquoi j'arrive pas à enlever la neige? Enfin bref, ça a l'air bugué. Du coup voilà. J'en étais où moi du coup? Voilà. Alors du coup. Je me suis fait un énergie condenseur. Je me suis fait des tonnes d'énergie condenseur. Alors pourquoi j'en ai fait des tonnes? Parce que très clairement, il me manque de ressources et j'en ai marre d'aller miner, d'aller droite et gauche, etc. Donc du coup, ce que j'ai fait. Ouais c'est tout simple, j'ai mis des des énergies condenseurs, j'ai mis l'item que je veux, et quand je vais mettre un item avec des EMC, là donc 32 896 EMC, tout va être transformé en obsidienne. Donc là la barre est complètement full, ça veut dire qu'elle est toujours en train de travailler l'obsidienne. Et vous voyez là ça travaille quand même beaucoup, donc ça va convertir en fait les 32 000 divisé par 64, et ça va vous faire le nombre d'obsidiennes dans le chest.
En fait, avant, le mode s'appelait Equivalent and Change. C'était le nom officiel qu'il y a eu en version Tekkit. Puis ça a été repris et c'est retransformé maintenant en Project E directement. Voilà. Donc du coup, j'ai fait pareil pour le Greatwood, le Silverwood, toutes les charges, le fertiliseur de Botania, le steak parce que j'ai de la bouffe, de la laine, comme ça au moins je suis sûr que d'avoir des strings, du diamant naturellement, hein, le bois normal, le sable. Donc je disais le sable, la stone, la cobble, les seeds parce que j'en aurais besoin pour Magical Crops et bah, les ink sacs pour Tomcraft et colorant. J'ai rajouté également glowstone et puis le verre parce que le verre c'est quand même génial pour en avoir. Là par exemple si je mettais un seul apple de Tinker, déjà en plus ils sont bonnes. Bah, elles sont bonnes en plus, elles nous donnent tout ça en effet. Mais également, j'aurai 32 896 glaces en plus. Donc, ce qui est complètement con, sachant que je n'ai pas besoin de tout ça. Alors, vous pouvez voir actuellement que le coffre est complètement full. Ça se voit à gogo que le coffre est full. Donc, du coup, ce que je vais faire, je vais tout transformer en... Allez, je vais aider un petit peu le sable, je vais aider la stone. En fait, je vais modifier en fait 1536 en 1536 de cobble. Les seeds un peu moins, sachant que c'est 16. Les ink sacs, sachant que c'est 16 également, bah, ça va se transformer. Les shards, je vais aider les shards. Je vais aider ces shards-là, ces shards-là. Vous voyez, ça va tout convertir en fait directement. Hop, les shards, les shards, les shards. La glowstone, c'est possible. Le verre, on va mettre 1500 verres en plus. Fertiliseur, on peut y aller. Les steaks, on peut y aller. La laine, on peut vraiment y aller. Le coal, j'ai largement ce qu'il faut, mais je rajoute. Du greatwood, je rajoute. Du silverwood, je rajoute. Le diamant, bah, je peux y aller pour ça. Voilà. Le bois normal, hop, et c'est bon. Voilà, donc j'ai tout transformé en fait. J'ai tout transféré de ce qu'il y avait là-dedans directement. Ensuite, vous pouvez revoir en fait que ça repulvérise. Donc ça va renvoyer la poudre ici. Et j'ai mis en fait la sortie de sulfure en fait d'ici pour la redstone. Tout simplement pourquoi? C'est pour que lui ensuite puisse avoir de la redstone en continu. Parce que je me suis arrivé au matin en fait qu'il n'y avait plus de redstone et du coup ça tournait plus. Donc là, c'est une énergie de MC infinie. Maintenant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai eu la Dark Matter. La Dark Matter, c'est tout simplement des charbons. Et des charbons et des charbons. Donc c'est de l'énergie condensée en fait. Et j'ai mis un énergie collecteur MK3. Pourquoi MK3? C'est tout simplement que derrière en fait ça produit 40 EMC par seconde d'énergie dès qu'il y a le soleil. Donc du coup t'es tranquille. Qu'il fasse nuit ou qu'il fasse jour, je crois que ça tourne. Parce qu'en fait c'est entouré de glowstone. Et là quand ça va arriver jusqu'à 139 265 EMC. Ça va justement remplacer tout l'EMC à la Dark Matter, donc ça va m'en faire 16. 16 Dark Matter, oh, c'est trop génial. Bien sûr, vous pouvez en faire plusieurs autour de lui pour qu'il se transforme. Il n'y a aucun souci sur ça. Donc du coup, bah, lui, bah, ça va se transformer. Ça va être bientôt fini d'ailleurs, plus que 1000 EMC et j'ai une autre Dark Matter. Donc on va attendre un peu. Alors les 40 EMC on les dirait pas. Hein. Et du coup c'est bon. Voilà et ça m'a retransformé en Dark Matter. Donc c'est Dark Matter en fait ce que je fais c'est que je me fais des blocs directement. Et là bah ça continue toujours. Maintenant, une fois que nous avons fait ça, bah c'est bien beau, mais on va continuer un petit peu nos quêtes. Nos quêtes, oui, on va continuer nos quêtes. Donc du coup, pour l'essentia, l'essentia, l'assio essence infused, bah, il faut la mettre dans la mana pool. Ah, c'est une crucible. Dominant first, ouais. Et des propriétés. Alors j'ai regardé par rapport aux nouvelles quêtes. Et en fait celle-ci, celle-là, je peux la faire. Donc je peux éditer la quête parce que c'est tout simplement balancer, tout simplement, hop,
Livre OP. J'ai celle-là et j'ai celle-là. On peut dire qu'elle est faite, hein. Hop. Elle est faite, elle est tranquille. Donc du coup, bah celle-là, bah je vais juste me reprendre les clèmes là. Et celle-là, la clème là. Voilà. Donc du coup, j'ai des assurances et des mana fusettes. Ce qui est un peu chiant, c'est surtout quand je vais en avoir besoin, bah du coup, je peux pas transformer tout ça en ça. Il va falloir que je me la give. Et c'est très chiant de faire ça, mais bon, je n'y peux rien, sinon je recommence en fait tout le mode pack. Et c'est vraiment très très chiant. Donc du coup, bah voilà. J'ai fait ma quête. Ensuite, il nous demande une Weak Infusion Stone. Alors, la Weak Infusion Stone. Voilà. C'est tout simple. Ah oui, il me faudrait en fait ceci. Donc on va planter déjà nos premières seeds. Nos premières seeds se font une seed de base, du coal et des essences. Ok. Bon, ça c'est pas trop grave. Hop. Il m'en faut 8 comme ça. Il m'en faut 4 comme ça. Et il me faut 4 de colle. Voilà. Ensuite, on fait notre seed au milieu. On met ça autour. Ça nous fait une seed de base. Cette seed-là, je la laisse là. Je mets tac, 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 tac. Et je mets mon colle au-dessus. Donc du coup, je m'obtiens avec des colle seeds. Ouais, c'est cool, on peut les scanner. Ensuite, c'est Cold Seed. Qu'est-ce que je fais? Bah, tout simplement, je vais faire le petit système ici. Donc, je vais enlever ça. Et je vais planter ça, tout simplement. Et maintenant, j'aurai des Cold Seed directement. Alors, bien sûr, ça va prendre un petit peu de temps, ce qui est tout à fait normal. Mais, en clair, ces seeds-là vont faire en sorte que je puisse me faire ma Weak Infusion Stone. Ma Regular, en plus. Regular Infusion Stone. Qui est, en fait, vous pouvez mettre un type autour et vous mettez votre wick au milieu et ça vous augmente en fait tout simplement ceci. Ensuite bien sûr il vous faut la wick infusion pour obtenir les jaunes. C'est tout badass. Donc du coup bah ce que je vais faire, je vais attendre que ça pousse. Je vais au niveau des quêtes. Sachant qu'elle est faite, elle est faite. Ok, au niveau des autres quêtes, bah, Tomcraft pour l'instant je ne peux pas. Botania, il faudrait que je me lance réellement dans de Botania pour que je le fasse. Bah, Tinker, il faut que j'aille chasser le Nether. Mais ça serait peut-être bien d'aller quand même un petit peu dans la Twilight, histoire d'avoir un petit peu nos premières ressources plutôt très sympas à avoir. Donc du coup, ce que je vais faire. La Dark Matter, je vais la foutre là, tiens. Hop, hop. Alors, je pourrais faire en sorte que je puisse avoir ceci. Ça, c'est tout simplement des 4 graines avec la wick au milieu. Bon. On va foutre notre wick. Voilà, ça en fait 16. C'est magnifique, c'est déjà bien. Ensuite, 4 x 4, 7 x 7, 14. 14 et 14, 28. 28. Du coup, il m'en faut 4 de plus. Voilà. J'en ai 28, c'est magnifique. Et du coup, il me faut 28 de colle également. Hop. Et voilà. Alors, pourquoi j'ai fait ça? C'est tout simplement pour obtenir plus rapidement nos sites de colle. Ah bah merde, j'en ai fait une de plus. Je peux pas la retransformer par contre. Ah c'est pute. C'est des seeds. Ah c'est directement des seeds. Ah c'est pute. Ah ça par contre c'est vraiment pute encore. 4, 5. Ok, c'est vraiment pour faire tout 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 tout. Bon bah du coup ça pousse tranquillement. Hop. Sachant qu'il m'en faut beaucoup, autant les laisser tourner. En plus, ça n'a pas de MC, donc du coup, je suis un peu comme un con. Ce qu'on va faire, vu que vous n'aimez pas du Tomcraft, eh ben, ça serait bien qu'on s'y remette à ça. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va dans la Twilight ou est-ce qu'on fait Botania? Sachant que Botania,
Il me faudrait de la terre dans le coin. Je n'ai pas forcément de la terre, mais je voudrais le faire autre part, Botania. Le faire par exemple ici, mettre des champs et faire un petit système correct. Ça pourrait être sympa, ça pourrait être sympa. Mais j'irai me faire une construction tout seul de Botania. Dans la toilette, qu'est-ce que j'ai besoin de faire? Toilette forest. Tuer ces petites bébêtes. Faut tuer des écureuils. Ok. Ah, pour obtenir des spawns de... Ok. Ok, et trouver... Ok. Trouver, en fait, c'est les spiders des labyrinthes. Donc, ce qu'on va faire, on va aller dans la toilette. Ça risque de laguer un peu, par contre. Bon, bah d'accord. Bon, ça lag bien. Ah, bah non. Ça a directement chargé, en plus. C'est magnifique. Donc, du coup, ce qu'on va faire, on va mettre notre petit point de home ici, tout naturellement. C'est pour nous retrouver éventuellement. Salut le mouton, est-ce que je peux te scanner la tronche? Non. Tant pis. Oh, une belle node. Belle note de feu, ça c'est cool. Du coup, ah bah c'est peut-être bien beau de trouver en fait une... Oh! Une liche. Ah, j'ai directement un donjon de liche. Par contre, je suis pas sûr que je vais pouvoir le faire. Sachant que, voilà, il y a les protections. Vous voyez, là en fait, je ne peux pas... Qu'est-ce que t'as toi? Merci pour ton blé. Not the power. Ok, bah, si tu veux. Est-ce que ça va en faire popper un? Ouais, de toute façon je peux pas le miner, hein, parce que c'est une protection globale. Oh, un écureuil. Voilà. Est-ce que ça l'a compté? Non, c'est pas un écureuil. Je sais pas c'est quoi ces petites bêtes. Bébête. Oh non. Bah ça veut pas pour taper, hein. Donc du coup, bah on va aller voir ailleurs. Parce que ça pixelise à gogo. Ah, ça charge, hein, ça se voit. Non, j'avais cru en fait que c'était une grille. Parce que je voyais en fait le terrain complètement défoncé ici. Mais non, pas du tout. Bon, bah ça va, c'est pas plus mal. Donc, oh, salut. Hop. Donc, on a notre liche ici. C'est bien beau. Mais je n'ai pas besoin de ça. Où allons-nous? Bah, j'irai bien quelque part. Je suis d'accord. Mais où? Pff, je ne sais pas. Ça se voit que ça charge. Hein. Ça se voit très bien que ça charge. Si j'ai quelques latences. Mais rien de trop faramineux non plus. Salut la poule. Une belle node. Hop. Bon. Bah je vais traîner un petit peu, voir un petit peu ce qu'il y a dans les alentours et je reviens vers vous. Bon, les gens, du coup, je ne vais pas dans la toilette parce que ça lag à mort, mais tout et tout et tout. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire du Botania. Mais oui, on va se faire du bon Botania, tranquillement. Alors, pourquoi pas Twilight? Parce que déjà, au niveau des quêtes, bah, ça merde un peu. J'ai trouvé, en fait, les bonhommes là, mais sauf que ça ne me les a pas absolument pas compté du tout. Je me demande si c'est pas complètement buggé, donc dans tous les cas en tout cas, c'est bien dommage parce que j'avais vraiment tout killé. Donc du coup, moi ce que je me suis fait c'est la Blank Maze Map, donc c'est celle-ci, hein, donc c'était juste de la canne à sucre autour. Je vais fermer la fenêtre par contre. Voilà. Donc du coup au niveau de la quête c'est fini, c'est fini, c'est fini. Du coup ce qu'il me demande en fait c'est de faire du naga. Alors par rapport à la map en fait, moi j'atterris ici en fait tout simplement, j'atterris ici. Et du coup j'ai juste à traverser je trouve mon premier naga. Après le naga c'est la leech et ensuite c'est je ne sais plus c'est quoi, ça doit être le swamp pour l'obtenir. Donc bon, dans les médias on va pas aller... Du coup, faire la toilette, je la pré-générerai avant, afin qu'on puisse être tranquille au niveau de notre map sans éviter les lags. Du coup,
Une fois que ceci étant fait, Blood Magic se viendra après. On va faire du Botania. Alors, Botania, j'ai dû me faire l'armure, parce que je la trouve classe, et en même temps, du coup, dessus, j'ai mis les Goggles of Revealing, qui me permet, en fait, tout simplement, d'obtenir ce qu'il faut en armure. En plus, j'ai une bonne armure qui protège bien, donc c'est plutôt cool. Voilà. Donc, du coup, concernant ceci, c'est fait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire des Endoflames. Pourquoi les Endoflames? Alors, les Endoflames... Zendoflame, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une fleur en fait qui génère de la mana grâce à du combustible ou des lava buckets. Donc ce qui est quand même assez correct avec ça. En plus des lava buckets. Oh, oh mais c'est cool en fait. C'est mieux que les comment ça s'appelle les thermali thermalili. En fait, celle-là, elle produit énormément de mana en 45 secondes, mais par contre, ils ont un cooldown de 5 minutes. Donc, ce qui est un petit peu con, il faut dire ce qui est. Donc, du coup, les endoflemmes, en fait, d'après ce que j'ai vu, prennent du combustible, des blocs de coal, principalement, ça dure plus longtemps, mais également des lava buckets, et ils vous rendent le bucket vide. Donc, ça, c'est plutôt un très bon point pour, en fait, recueillir des endoflemmes. Donc, du coup... On va se générer des endoflemmes. Alors bien sûr, à chaque fois, dans chaque botania, quand il y a du blood magic, il vous donne directement la fleur de base. Voilà. Mais par contre, c'est celle-là que je veux. Donc du coup, ce qu'il me faut, c'est de la terre. Pour une fois, il va nous falloir énormément de terre. La terre. La terre. Et c'est tout. Alors, est-ce que j'ai un chest de terre? Et non, je n'ai pas de chest de terre. Donc, du coup, ce que je vais faire, je vais m'en fabriquer une autre. Hop. Donc, tac. De la terre, c'est cool. Hop, pouf. Et pouf. Voilà. Comme ça, je suis tranquille. Et comme j'ai assez ce qu'il faut... Oh, l'avantage, c'est que... Voilà. Là-dedans c'est full 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 et là bah du coup ça va produire un petit peu en masse. Et au niveau de la redstone je suis tranquille. Donc au niveau de ça va me produire 1535 de terre en plus. Donc ce que je peux vous dire c'est que je suis un petit peu tranquille au niveau de cette terre. Bien sûr je pourrais prendre de la grâce. Mais dans l'immédiat je n'en ai pas forcément l'utilité. Du coup. Ah, mais tu viens de la toilette. Eh bah. Oui, mais tu redescends. Non, mais tu vas pas sur les toits. Je suis sûr qu'elle va remonter sur les toits, cette conne. Non, elle remonte pas. Donc, du coup. Eh bah, Botania, on va se le faire à un endroit que j'apprécie particulièrement. Il me faut juste 4 blocs pour me faire de la stone brick. Voilà. Eh oui, parce que la stone brick, je trouve ça tellement cool. Et tellement... Sympatoche. Alors, Blood Magic, lol. Botania, on va le foutre où? Botania, je le verrai bien personnellement par ici. Tiens, par là. On peut se le faire par ici. Ça pourrait être même très très bien. Je suis en train de voir ce qui pourrait être bien. Alors, par contre, j'ai vraiment torché la zone partout. Mais Botania, je le verrai bien d'un endroit, mais également d'un autre endroit. Est-ce que déjà, est-ce que, je dis bien, est-ce que j'ai Underio? J'ai pas Underio. Underconduite. J'ai pas Underconduite. Putain, j'avais besoin de ces câbles-là pour les faire. Ça m'embête un peu. J'avais un système qui permettait en fait de faire en sorte que bah de faire tout simplement en sorte que s'il n'y a pas d'objet sur cette brique alors ça n'émet pas de redstone et du coup je suis tranquille. Mais on va faire un petit système plutôt sympa. Donc du coup ce que je vais faire, je vais faire une petite ellipse. Je vais commencer un petit peu à construire. Donc j'ai pas de replay mode donc je peux pas vous faire de petit timelapse de construction. Mais en même temps, c'est vraiment le truc tout basique, c'est tout simplement remplacer la cobble et la stone par tout simplement de la terre. Donc du coup, ça ne sert à rien de faire une ellipse
un timelapse plutôt pour faire ça. Donc du coup, bah, je vous donne rendez-vous tout de suite. Donc voilà, ceci étant fait, tranquillement, en plus on voit une belle petite note là-bas. Maintenant, une fois que nous avons notre grâce, notre dirt plutôt, je veux tout transformer en grâce. Comment je fais? Tout simplement, vous prenez votre Philosopher's Stone, vous faites un shift et vous faites un écran et vous avez votre grâce. Voilà. Donc ensuite, bah, il n'y a plus qu'à faire en sorte que ça se propage petit à petit et du coup j'aurai de l'herbe vraiment, vraiment partout. Ça manque de torches ici. C'est chiant que ça fonde pas, ça. C'est chiant, c'est vraiment chiant ça. Donc du coup, bah, ça va se propager petit à petit. Ça va prendre un peu de temps, mais bon, c'est pas très grave. J'aurais peut-être une idée. T'as vu, elle est remontée là-haut, celle-là. J'aurais peut-être une idée, en fait. Ici, par exemple, je mettais les fleurs. Par exemple, je mettais les fleurs. Et je fais en sorte de propager le flux vers ici. Sachant que j'ai toutes mes réserves ici, pourquoi pas faire en sorte que je fasse mes rituels là-dessus. Ça pourrait être vraiment très sympa de faire tous mes rituels dessus. C'est fou le nombre de que je peux mettre là-dedans. Oui. Voilà. Donc du coup voilà. Ça c'est tout simplement de la terre modifiée en fait. Quand vous la pétez, bah, elle revient de la terre normale, mais en fait c'est de la terre modifiée qui ne pousse pas en fait. Il n'y a pas de grâce qui peut te pousser dessus. Donc c'est parfait si vous voulez vous faire des chemins de terre, de vraie terre. Ah bah le col en fait il a poussé ici, tiens. C'est magnifique. Donc, bah ça se pousse tranquillement. Donc, ce que je vais faire là, sachant que la stone brick, j'en ai vraiment fait une tonne par contre. Putain, elle est revenue sur le toit celle-là. Elle aime bien le toit. Le sable, il y en a ce qu'il faut. La terre. Hop. Je vais tout transformer. La stone brick, bah c'est de la stone, mais du coup, il n'y a pas besoin. La graine, je suis full. Les zigzags, je suis full. Le tomium, je suis pas full, donc je peux y aller. Voilà, ça va transformer tranquillement. Du coup, je suis sûr que j'en aurai encore plein là-dessus. Hop, un stack de tomium. Oh, c'est quand même cool là, un stack de tomium. Donc ceci s'en fait, ça. Je vais mettre mes buckets. D'ailleurs, au niveau des buckets, est-ce que j'en ai un? J'en ai pas, mais en même temps, j'ai du fer. D'ailleurs, j'ai pas de fer, mais j'en ai encore plein les coffres. Donc, du coup, je m'en tape le coquillage. Donc, voilà. Lui, bah, j'ai de nouveau une Dark Matter parce qu'elle collecte l'énergie. Du coup, alors, j'ai besoin pour faire mon Endoflame. Mon Endoflame. J'ai besoin de Brand, Red, Light Gray. Donc brown, c'est bon. Light gray. J'ai du gray, j'ai pas de light gray. Qu'est-ce qu'il me faut d'autre? Du rouge. Il m'en faut qu'une. Sachant qu'il m'en faut deux, donc ça m'en fait 14. Tac, 7. Il me faudrait du coup du light gray. Donc je vais prendre ça, je vais prendre ça, je vais prendre ça. Alors j'ai ça aussi que je dois prendre. C'est tout simplement pour faire la petite fleur. Ce qu'il me faut du coup c'est du light grey. Light grey c'est celle-ci. Donc du coup bah comme j'ai pas ce qu'il faut, je vais me chercher ma petite fleur. Hop, je vais en prendre deux stacks, c'est cool. Et je vais faire en sorte d'aller là-dessus. Et butiner tout le sol pour obtenir toutes les fleurs de Botania. Donc là je l'ai, hop. De toute façon c'est que de l'EMC donc je suis tranquille. Donc le light gray qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement ces petites fleurs là qui est très facile à obtenir du coup. Hop. Light gray, light gray, light gray, light gray. Bon bah voilà en fait j'ai beaucoup de light gray finalement. Donc j'en ai 5, on s'en fait 10. Mais il m'en faut que 7 de toute façon. Donc du coup je suis tranquille. Tac tac tac. Et du coup, ce qu'il me faut.
Bah, c'est tout simplement cette graine. Cette graine pour avoir 7 endoflemmes. Donc on retourne là-haut. On a nos petites graines ici. Il nous en faut 7. 7, voilà. Vas-y, collectionne tes cocottes. 1, 2, 3. Alors, pourquoi je fais ça? C'est tout simplement pour faire en sorte que la charde est complète. Ensuite, je fous ça là. Je fous ça ici. Je n'en ai pas besoin, ça non plus. Je suis content. Je vais là-dedans. Je vais prendre un petit bucket. D'ailleurs, en parlant de fer, je n'en ai plus. Ah si, les buckets, je sais où en trouver. Molten. Voilà, vas-y, fais couler ton truc. Ah oui, j'ai du magnium, j'ai tout ça, mais le fer n'est pas coulé d'abord. Donc je vais faire couler mon fer. Voilà, j'ai mon premier, mon deuxième qui arrive. Et mon troisième. Voilà, j'ai mon fer que je mets là pour avoir de l'eau. Hop, donc, du coup, ce que ça donne, tac, 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 tac. Ah, c'est de la mana dust. Ah non, c'est de la mana dust. Je suis con, je suis con. C'est pas ça qu'il me faut. C'est de la canne à sucre dans de la mana. 2, 4, 6 et un 7. Voilà. Oui, je me suis trompé en fait. C'est du sucre qu'on met là-dedans. Voilà. Là, ça m'en fait 7. Voilà. Endoflame. Ensuite, bah justement, je refais ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Je préfère quand ça soit comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah oui, non. Peut-être bien que je mette de l'eau d'ailleurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et puis 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Donc j'ai mes 7 endoflemmes. Ça va, je suis plutôt content. Je vais maintenant aller me chercher ceci plus ça. Parce que je vais tous transformer en fait en coal. En coal bloc directement, c'est plus simple. Hop. Directement du coal bloc. Voilà, j'en ai 8. On aurait fallu juste 7. Donc, j'ai ceci. Ensuite, par contre, il me faudrait un item de là. Je ne sais pas, par contre, si... Non, ce que j'ai fait, en fait, je les ai jamais fait. Je suis pas sûr de les avoir fait. Là, c'est un item. Ah si, c'est bon, je l'ai fait. Ah, j'ai 2 livres. Ah bah, c'est cool. Du coup, ce que je vais faire, vu que lui... Il a plein de mana. Ça a beaucoup de mana et je veux faire en sorte de tout diriger en bas. Pour éviter de perdre la mana, un truc à faire, les gens, c'est déjà notamment avoir des pétales, avoir de la living wood et avoir du gold. Voilà, j'ai plein de gold. Tac, tac. De toute façon, il va pas m'en donner plus de toute façon. Donc j'en ai 3. 3, c'est pas beaucoup, hein. Mais c'est pas très grave. C'est pour commencer en tout cas. Ce n'est pas un problème. Donc du coup, on va suivre en fait le petit point qui va aller jusqu'ici. Ce petit point-là, du coup, on va faire en sorte de... que ça va donner là-bas. Donc du coup, lui, hop, vous pouvez voir le faisceau en fait qui arrive et qui va le donner ici. Je vais faire en sorte que lui donne à lui. Vous voyez, il donne le faisceau tranquillement. Et ce faisceau-là, ensuite, je vais le refaire redistribuer en dessous ici.
Évidemment, j'ai oublié de le sélectionner. Voilà. Et ça passe. Ouais, c'est juste, mais ça passe. Donc du coup, voilà. Et du coup, bah, ça va en fait le générer. Ça va tellement le générer qu'en fait, il va être tout plein. Oula. J'ai un énorme freeze. Vous pouvez voir que là, bah, vous voyez que l'herbe se propage. Parce qu'il fait très jour. Alors, pourquoi je fais ça avec Botania ici? Tout simplement parce que ici, bah, je suis tranquille. Et du coup, je suis tranquille. Voilà. Putain, j'ai des frises. C'est fou. Pourquoi j'ai des frises à ce point? Pourtant, j'ai ce qu'il faut. Ces arbres-là, il faudrait que je les coupe. Peut-être eux qui me font tellement laguer, en fait. Donc, maintenant, ceci étant fait. Me faut une mana pool. Cette mana pool, ce que je vais faire, c'est que je vais la plémenter ici. Donc, tout simplement, je dirige lui vers lui. Et du coup, bah lui, en fait, il va remplir cette mana. Donc, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vidanger toute la mana qui se trouve là-bas. Il va la vidanger ici. Tout simplement. Maintenant, pour du coup que ça puisse s'accélérer. Et toi, tu commences vraiment à me faire chier, par contre. Hop. Voilà, ça c'est ton totem de la destruction. Tout ce qu'on va faire maintenant, c'est... Hop, on va remonter. Et vous pouvez voir là que le faisceau est en train de descendre. Donc du coup, lui, bah, il est toujours aussi plein en fait. Lui en fait, ce qui va être très chiant, c'est le temps en fait qu'il va mettre pour arriver lui. Lui qui va mettre pour arriver à lui. Et lui qui va arriver à mettre à lui, que lui redirige à lui. Voilà, c'est très long. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est tout simplement, je vais faire en sorte que bah, vous faire une petite ellipse, ou pas. On va mettre nos endoflemmes avant, tiens. On va mettre nos endoflemmes. Ce qu'on va faire, c'est quand vous mettez une endoflemme, vous voyez, là, il n'y a rien du tout, on voit pas. Vous faites un clic droit et un shift clic droit, et c'est trop loin. Fuck. C'est trop loin. Bon bah du coup ce qu'on va faire, on va se refaire de toute façon un living wood. Donc, autant reprendre la petite fleur blanche que j'ai foutu quelque part. Ah les pures désirs, je les ai mis là. Ah là, va te coucher. Hop. Pur désir, je me les mets là. Je vais mettre là et là. Ça suffit amplement. Deux suffisent, de toute façon. Je vais mettre l'endoflame, 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 l'endoflame. Et je vais faire en sorte que... cet endoflame, endoflame et endoflame. Alors, maintenant, ce que vous faites... Tout simplement, vous essayez d'obtenir des éléments, vous les remettez en hauteur. C'est chiant cette neige, c'est fou. Hop. Ce que vous faites là maintenant, vous prenez votre bois. Et oui, du bon bois que vous avez bien justement mis là. Ici, ben, il n'y en a pas besoin. J'ai de l'or, j'ai pas de table de craft, mais j'ai du bois. Donc lui, bah, se dirige tranquillement. Je redescends, je me fais une table de craft, voilà, une version très longue, c'est plus simple. Vous la foutez là, vous mettez votre chest, bah vos chests plutôt, pour vos fleurs. Voilà, comme ça, ça vous fait du vide. Vous mettez votre pétale, ceci, là, vous prenez votre bois. Vous les mettez comme ceci. Voilà. Et vous mettez votre truc là. Faudrait que je fasse un petit dôme au-dessus. Parce que j'en ai marre. J'en ai absolument marre qu'il y ait tout le temps de la neige. Donc je vais mettre un beau biome. Oh, il y a de l'orage. Un beau dôme de glace au-dessus. Je vais mettre mes piliers en fait ici. Du fait que j'ai mis...
une couche de plus. Donc je vais mettre en fait des piliers pour faire en sorte que il arrête d'avoir de la neige partout parce que ça m'énerve. Donc du coup, je vous retrouve une fois que tout ça c'est fait. Bon, voilà les gens, du coup je me suis fait un petit dôme, comme ça je n'aurai plus cette putain de neige qui voudra se propager, enfin. Voilà, parce que j'en ai marre de cette neige qui se propage, pour un oui, pour un non, ça m'agace, ça m'énerve. Hop, du coup je n'aurai plus de neige à l'intérieur, donc c'est plutôt pas mal. Ceci dit, voilà. Donc bon, évidemment je suis pas très fort en construction, vous avez pu le voir. Je suis même plutôt nul, faut dire ce qu'il y a. Donc du coup j'ai mis des micro-blocs. Hop, pour faire une petite structure tranquillou pépère. Comme ça, c'est de la glace en plus white. Donc du coup, bah je suis tranquille. Et bah lui, il est en train de toujours de progresser. Hein. Il a augmenté d'une petite barre. Donc c'est pas énorme, mais c'est toujours mieux que rien. Et du coup, bah, je suis tranquille. Voilà. Ceci, cette glace est en fait. Voilà. Ce que je vais faire, du coup, je vais me faire deux autres Living Mana Speeder plutôt. J'allais dire Living Rock, mais non. Hop, je le mets là. Je le mets là. Je pète ça pour que les endoflemmes s'amusent à le gober. Voilà. Alors, lui, à lui. Maintenant, lui, à lui. Voilà. Ou je pourrais faire en sorte que lui atterrisse à lui, atterrisse à lui. Mais sauf que lui, comme sachant que j'en ai 7 ici, donc je vais faire 1, 2, 3, et je vais en faire 4 autres. Ça va se les bouffer et du coup ça va diffuser toute la mana direction vers lui tranquillou. Donc du coup bah ça propage. Je les rendrai ces endoflames dans plus tard. Je les rendrai comme ceci. Alors pourquoi tout simplement comme ça? C'est considéré comme un bloc. Donc du coup je vais pouvoir mettre de la ici bah, une dalle si je veux et mettre au milieu par exemple de la lave par exemple. Ou tout simplement faire les endoflemmes tout autour, mettre des cubes ici, des cubes là, cubes là, cubes là, et mettre la lave ici avec un dispenser. Je crois ça permet de dispenser justement le lava au-dessus, ça soit gobé, ça envoie là-dedans et ça envoie là-dessus. Donc voilà, sur ce messieurs, je vais vous laisser, messieurs, dames, je vais vous laisser. Je vous dis à une prochaine pour... la suite de Pickle Magical, le temps que je setup tout ça, et du coup, bah, plus tard. Bisous. Ah. Ça se propage bien.